Ça fait plus de 30 ans de cela, parce qu'aujourd'hui j'ai 34 ans, alors que j'étais un gamin de peut-être 5 ans quand il dactylographiait déjà ce dictionnaire. C'est pour dire que ça a commencé il y a plus de 30 ans. Avant, son papa vivait encore, on était enfants, et de temps en temps, quand on allait passer les vacances chez son père, il était toujours là pour se ressourcer. Et il avait toujours un bic avec lui et une feuille. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'il réalisait quelque chose d'important. Comment tu as fait, par exemple, pour écrire Morambo? Parce que c'est un son qu'il faut maintenant mettre sur écrit. C'est un peu parfois difficile. Oui, moi, j'ai écrit ça. J'écrivais comme on prononce. Comme nous prononçons. Comme la langue Evia prononce Morambo. Voilà. M-O-R-O-M-B-U. Morambo. Le piège. Pour moi, le but de la chasse, c'est l'origine, c'est le piège. Ah. Parce que pour partir visiter le piège, il faut l'arme. Et en même temps, à cette occasion-là, il faut chasser le truc comme ça. Là, maintenant, le pied se tire à sa fin. Comme ça. Peu de Gabonais connaissent le nom de cette langue ou l'existence de cette communauté. Donc c'est vraiment à l'intérieur de cette communauté. C'est extrêmement restreint. L'expérience nous le montre, la pratique, elle est bien là, au village. Mais dès qu'on quitte ce territoire, le Revilla perd du terrain. Donc c'est encore vivant, mais extrêmement menacé parce qu'il y a d'autres réalités linguistiques, dont le français, qui pèse lourdement sur l'avenir de cette langue. Tu reconnais Benza? Watto, c'est une pirogue.
Yato, c'est quand c'est le pluriel, les pirogues. Avec un D, hein. D majuscule. Ici, c'était à la fin du, vers la fin du dictionnaire ou du travail initial. Et maintenant, ça se trouve donc sous at, hein, ato. Hein. Donc, pour faciliter l'identification du mot par les évias, j'ai décidé de mettre au moins ce qu'on appelle le préfixe du singulier. Et ensuite, donc, il y a les différents sens. Sens premier, celui de pirogue. Par extension, bateau. Et encore plus généralement, le véhicule. Et puis aussi un sens figuratif, en taille pratiquée dans le cœur d'un palmier abattu dans le but d'extraire le vin de palme. Hein, donc il y a une grande diversité de sens. Et ça met longtemps à se remplir? Non. Dans ma voix, dans la voix de la révolution, on voit pour nous.